Ça sort pas, non? Ok, on est parti. I'm going to go to the next slide.
Ça fait pour formation. C'est vraiment une grosse assemblée. Ça a été, apparemment, ça a été assez primitif, ça fonctionnait. C'est comme mon portable, ça marche pas non plus. C'est un nombre limité de citoyens peut être assez tel que l'Église décrète le gouvernement du Québec. En lien avec la pandémie au coronavirus et à laquelle les conseillers suivants étaient tous présents, Jean-Paul, Darrel, Julie, Samantha, André et Rénal. Formant le quorum du conseil avec et sous la présidence du maire, qui est moi-même, Jean-Paul. Madame, c'est également cette séance. Ouverture de la séance, il va être 19h45, ouverture de la séance. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. On y va tout de suite avec l'ordre du jour. Voilà, numéro 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès verbal de la séance suivante. 3.1, séance ordinaire du 15 novembre 2021. Si des fois c'est trop fort, mais dossier en cours, affaires administratives, compte à payer, novembre 2021, amendement résolution 21-1-97 et 21-11-79-99. Amendement du code d'éthique. 5.4, autorisation signature à contrarier dossier l'avenue Bonnale. 5.5, résolution assurance collective, suppression de la coopération, bail Vidéotron, autorisation de la signature venant. 5.7, calendrier des séances 2022.
5.8, promotion, règlement de taxation 2022. 6, correspondance. 7, loisirs et culture. 7.1, affichage, poste vérificateur du passeport vaccinal. 7.2, prix de location, casse-croûte de l'aréna. 7.3, patinoire extérieure. 7.4, location, place et salle multifonctionnelle. 7.5, location de tables et de chaises. 7.6, politique de soutien aux politiques familiales municipales. 8, travaux publics, 8.1, acceptation, soumission, débitmètre. 9, urbanisme, 9.1, adoption du règlement 2021-226, amendement concernant la circulation et le stationnement. 9.2, adoption des projets de règlement, amendant le règlement applicable par la SQ. 9.2.1, règlement 2019-AM-SQ-2, code portage. 9.2.2, règlement 2020-AM-SQ-4, animaux. 9.3, adoption du projet de règlement 2021-227, amendement, le schéma d'aménagement et révisé entreposage intérieur. 10, incendie. 11, période d'océan, 13, de l'océan. Il est proposé et résolu à l'unanimité de conseiller d'accepter l'ordre du jour. Qui propose? À 3, adoption du procès-verbal de séance suivante. Séance ordinaire du 15 novembre. La lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et en ayant pris connaissance avant la petite séance, il est proposé par et résolu à l'unité de conseiller d'adopter le procès de la séance ordinaire du 15 novembre 2021. Proposé par à 4, dossier en cours. Je suis le conseiller du district de Norrois. Je vais commencer par le district de Norrois. Une, la c'est des prévisions pour 2020 jours en soi. Puis d'autres qui vont être discutées. Il y a plusieurs des choses. Je ne mettrai pas pour rien. Ils vont passer dans la lecture des également, je vais l'Assemblée. Je vais vous donner un compte rendu parce que moi-même, on a un dossier. Si j'en ai des dossiers actuels avec les autres, c'est le projet en cours, international. Le site qui va être fonctionnel, le site même va être en opération dans le projet. Il va inclure une bâtisse construite dans la gare de Gilles. Un autre bâtisse. Et les. Ben c'est encore ça, le chemin de fer, il devrait prendre jusqu'à avoir 5 ans. Parce que toute l'expédition va être faite en prévision plus tard, continuer le chemin de fer jusqu'à toute forme. Et là, c'est pour s'équiper le faire. Ça fait que pour moi, l'expérience que j'ai, ça va être des dossiers plus tard. Ça fait que je vais y aller avec Darrell. Julie. Merci, Julie. Samantha, district numéro 4. André, district numéro 5. Moi non plus.
Merci. Alors, on y va, item numéro 5, affaires administratives. 5.1, compte à payer, novembre 21. Considérant que les listes des comptes et des dépenses datées du mois de novembre 2000 ont été préparées, considérant que ces listes ont été transmises aux élus avant la dite assemblée, considérant que des explications ont été données sur les divers comptes à payer, les peuples posés par et résolus à l'unanimité des conseillers d'approuver un montant de 306 184,97 incluant le paiement des comptes à payer et paiement direct du mois de novembre 2021 au montant de 242 950,14 et un montant de 56 234,83 pour le paiement des salaires de novembre 21. La directrice générale donne un résumé des montants les plus élevés qui viennent d'être approuvés par les comptes à payer. Donc, en gros, c'est juste une équipe pour le seigneur, 5.2, amendement résolution 21-11-97-81-7 et 21-11-79-99 comité. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'amender la résolution 21-11-79-99 afin de déléguer M. André Roy comme substitut à Mme Julie Leblon pour représenter la municipalité au sein de l'incendie. Proposé par. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'amender la résolution 21-11-97 afin de déléguer Mme Samantha Jalbert-Paris au lieu de M. Jean-Paul Grondin pour représenter la municipalité au sein du centre communautaire sympathique, place ouverte à tous, le spot. Proposé par. Avis de motion 5.3, amendement du code d'éthique. Avis de motion est donné par que lors d'une séance ultérieure, le conseil municipal adoptera un nouveau code d'éthique et de déontologie, et ce, suite à l'adoption du PL 49. Proposé par 5.4, autorisation, signature, acte notarié, dossier, avenue Provençale. Attendu les résolutions 21-09-7959 et 21-09-7961. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser M. Jean-Benoît Letourneau et Mme Manon Vachon à signer les actes notariés pour finaliser les transactions liées à la cession de terrain suite à la fermeture de l'avenue Provençale. Proposé par. Résolution assurance collective, suppression de la courte durée. Attendu la rencontre entre les employés municipaux et le courtier en assurance. Attendu les recommandations et explications données par le courtier d'assurance. Attendu que les employés sont unanimes pour enlever l'assurance invalidité courte durée. En conséquence, il est proposé par et résolu d'enlever l'assurance invalidité courte durée de la police d'assurance collective, puisque l'assurance emploi couvre les employés et que la municipalité étant d'accord pour couvrir le délai de carence advenant un accident, le délai de 7 jours demeurant effectif en cas de maladie. Proposé par 5.6, bail vidéo tron, autorisation de stature advenante.
Ce point est reporté ultérieurement. 5.7, calendrier des séances 2022. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter le calendrier des séances régulières 2022 comme suit. Janvier, si on veut, là, c'était pour s'utiliser pour que notre main soit ainsi. Okay? Ça fait qu'il va y avoir des changements pour les assemblées du mois. Janvier, le lundi 17 janvier 2022. Février, le 7 février 2022. Mars, le 7 mars 2022. Avril, le 4 avril 2022. Mai, le 2022. Juin, le 6 juin 2022. Juillet, le 4 juillet 2022. Août, le 22 août 2022. Septembre, le 12 septembre 2022. Octobre, le 3 octobre 2022. Novembre, le 7 novembre 2022. Décembre, 5 décembre 2022. Il pourrait y avoir des changements aussi, des fois, s'il y a des problèmes majeurs, tout le monde comprend ça, puis en temps normal, la cédule va être respectée. Okay? Alors, il est proposé par d'accepter la nouvelle. 5.8, avis de motion, règlement de taxation 2022. Avis de motion est donné par que lors d'une séance subséquente, le conseil municipal adoptera le règlement de taxation 2022. Proposé par. Au point 6, correspondance. Alors que moi-même, je donne une description sommaire de la correspondance reçue au cours du dernier mois. Luc Berthol, député mécantique et des Rêves, a fait parvenir une lettre de félicitations au conseil municipal et au maire pour leur élection et assure de sa collaboration tout au long de leur mandat. Le cabinet du lieutenant-gouverneur invite les élus à soumettre des candidatures d'aînés de la municipalité dans le cadre du programme de distinction honorifique visant, entre autres, à souligner l'excellence du travail bénévole des aînés. Le Fonds de développement populaire d'Hibraton félicite les nouveaux élus pour leur mandat et suggère la nomination de la conseillère Samantha Jadvin-Paris pour assister aux réunions du conseil d'administration du Fonds. Une réponse sera expédiée au Fonds spécifiant que c'est M. André Rouen qui sera le délégué municipal pour assister aux réunions. La bibliothèque de bouquinerie a fait parvenir ses prévisions budgétaires 2022. Réception du jugement de la Cour supérieure dans le dossier Ginette Couture. Le comité organisateur du baseball mineur d'Hibraton souhaite sensibiliser le conseil municipal à la réalité de certaines installations du terrain de balle qui auraient besoin d'être améliorées. La demande sera analysée lors de la préparation du budget 2022. Loisirs et culture, affichage, post-vérificateur, passeport vaccinal. Il est proposé par et résolu d'entériner la décision du conseil municipal de procéder à l'affichage d'un poste de responsable de la vérification des passeports vaccinaux. Qui propose? Alors, c'est ici que, pour les détails, c'est à l'aréna à l'avenir, ça va prendre le passeport pour rentrer à l'aréna. C'est bon, ça fait qu'à ce moment-là, tout le monde soit avisé, ça prend le passeport vaccinal pour rentrer. 7.2. Prix de location Casse-Croûte Arena. Attendu la résolution 21-09-119-54. Attendu les comparables vérifiés pour les locations similaires. En conséquence, il est proposé par et résolu de conclure l'entente relative à l'offre d'opération de Casse-Croûte du Centre des loisirs des Jardins et d'autoriser la directrice des loisirs de la culture à signer une entente écrite entre M. Breton et la municipalité pour la saison hivernale 2021-2022. En indexant le tarif mensuel à 200 pièces par mois au lieu de 105 par mois en raison de l'ajout de produits. Toutes les modalités seront établies dans le contrat. La dite acceptation est conditionnelle à ce que le locataire fournisse une assurance responsabilité avec le début de la location. Alors, pour M. Breton, c'est Jean-François Breton qui fait la demande. Puis, la police d'assurance qui avait été demandée, c'est toujours au chiffre qu'on va établir. On avait proposé une couverture de 5 millions en responsabilité qui nous fournissent pour l'air. En cas, ça le protège lui et ça protège la municipalité aussi. Proposé par? Patinoire extérieur. Attendu que chaque année, la municipalité de Tiburoton, 7.3, oui, patinoire extérieur. Attendu que chaque année, la municipalité de Tiburoton permet aux citoyens et citoyennes de profiter de la patinoire extérieure située au parc Oasis.
attendu que les employés à temps partiel qui s'occupaient de la patinoire extérieure lors des dernières années ont manifesté leur volonté de transmettre leurs connaissances pour la saison 2021-2022, mais qu'ils ne sont plus disponibles. Attendu que plusieurs municipalités avoisinantes offrent des contrats pour l'entretien et la surveillance des bâtiments extérieurs. Attendu les dispositions de l'article 28 de la Convention collective. En conséquence, il est proposé par et résolu de procéder à l'affichage d'un offre à contrat fixe pour effectuer l'entretien et la surveillance des bâtiments extérieurs, incluant la location des équipements nécessaires. Proposé par 7.4, location de glace et salle multifonctionnelle. Attendu que depuis plusieurs années, la municipalité de Bretonne offre la possibilité aux associations et aux organismes à but non lucratif et aux associations sportives de louer la glace ou la salle de l'aréna pour effectuer des rencontres, des événements ou réunions, et ce, à prix réduit. En conséquence, il est proposé par et résolu d'accepter les tarifs inscrits dans le tableau ci-dessous. Alors, les coûts de glace, location régulière, 50$ l'heure. Location de la salle au deuxième étage, 125 plus 30, 35$ frais, désinfection, ce qui fait un total de 160. Coût de location, combo, salle glace, 50 plus 160, 210. Organisme à but non lucratif, 50$ l'heure pour le coût de la location de glace. Pour la location de la salle au deuxième étage, c'est gratuit. Et la location de combo, salle glace, 50$ l'heure de glace. Événement des allocations. En contexte de fête et non de la pratique du sport, 50$ l'heure. Location de la salle au deuxième étage, c'est 160 également. Glace gratuite lors de la location de la salle, à 160$. Alors, qui propose? Ouais. 7.5, location des tables et des chaises. Attendu que depuis plusieurs années, la municipalité de Bretonne possède approximativement 80 tables blanches et plusieurs chaises. Attendu qu'au cours des dernières années, la municipalité a reçu quelques demandes de location des tables et des chaises par des particuliers pour des événements privés à l'extérieur des bâtiments municipaux. Attendu que la directive a toujours été que la municipalité ne loue pas les tables et les chaises pour les événements privés à l'extérieur des bâtiments municipaux. En conséquence, il est recommandé de procéder à la location des tables et des chaises selon les tarifs suivants pour des particuliers qui désirent faire des événements à l'extérieur des bâtiments municipaux. Location de 10 tables ou moins, 10$ par table par jour. Après 10 tables, si quelqu'un veut plus que 10 tables, ajoutez 5$ par table supplémentaire. Location de 50 chaises ou moins, 2$ par chaise par jour. Après 50 chaises, de plus, si quelqu'un veut plus que 50 chaises, ajoutez 1$ par chaise supplémentaire. La municipalité n'est pas responsable du transport des équipements. Il est également résolu de continuer à prêter gratuitement les tables et les chaises pour les locations à l'aréna et à la salle du conseil ainsi que pour le OBLM. Qui propose? Non, c'est vous. 7.6. Ah, OK, il n'y avait pas d'espoir. Qui propose? À 7.6, politique du soutien aux politiques familiales municipales. Attendu que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur des familles. Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour. Attendu que la municipalité de Bretonne présente en 2021-2022, sur une base collective avec la MRC des Appalaches, une demande d'appui financier admissible pour l'élaboration d'une politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales. Attendu que la municipalité de Bretonne s'est engagée dans une démarche collective avec la MRC des Appalaches dans le cadre du programme de soutien et la démarche municipale, municipalité amie des aînés, MADA. Sur la proposition 2, il est résolu à l'unanimité des membres du conseil municipal d'autoriser M. Marc-André Cloutier, coordinateur de projets municipaux, à signer au nom de la municipalité de Bretonne tous les documents relatifs aux projets présentés dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales 2021-2022. De confirmer que Mme Samantha Jalbert-Paris est élue responsable des questions familiales. Proposé par
8, travaux publics, acceptation, soumission, début mai. Attendu la réception de 12 soumissions, il est proposé par et résolu d'accepter la soumission de Hydro Expert au montant de 4 047,30 $ avant taxe pour effectuer l'authentification de la justesse de certains débits mains pour les eaux brutes et usées. Le soumissionnaire retenu ayant déjà une connaissance du mandat suite à certains travaux effectués, la soumission de Hydro Expert relative à la validation du canal Barchan eau usée au montant de 975 plus taxe est également accepté. Le compte 3850 plus TAC, Hydro Expert 4047,30 plus TAC. Proposé par. L'urbanisme 9.1. Adoption du règlement 2021-226, amendant le règlement concernant la circulation et le stationnement. Attendu qu'un avis de motion pour amender le règlement 2016-196 sur la circulation. Et le stationnement a été adopté à la séance du Conseil du 27 septembre 2021. Attendu que le Conseil municipal veut amender le règlement sur la circulation et le stationnement afin de préciser le nouveau stationnement sur la rue Baudouin. Attendu que le Conseil municipal veut amender le règlement sur la circulation et le stationnement afin d'enlever l'avenue commerçante de la liste des voies de circulation. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le règlement 2021-226 visant à amender le règlement 2016-196 sur la circulation et le stationnement en y ajoutant ce qui suit. Article 1, préambule. La préambule fait partie intégrante du présent règlement. Les annexes jointes au présent règlement en font aussi partie intégrante. Article 2, tout à l'article 19, stationnement. L'article 19A intitulé « Espace de stationnement ajouté » est ajouté à la suite de l'article 19 stationnement plus de 24 heures et est énoncé comme suit. 1. Sur la rue Baudouin, face au marché tradition, sont ajoutés 5 espaces de stationnement ayant 2,75 mètres de largeur, 9 pieds et 6,1 mètres de longueur, 20 pieds. 2. Sur la rue Baudouin, de part et d'autre du marché tradition, sont ajoutés 4 espaces de stationnement ayant 2,75 mètres de largeur, 9 pieds et 6,1 mètres de longueur, 20 pieds. Article 3, ajout de l'article 22A, fermeture de rue d'avenue. L'article 22A, intitulé fermeture de rue ou d'avenue, est ajouté à la suite de l'article 22, intitulé conformité à la signalisation et est énoncé ainsi. 1. L'avenue Provençale est retirée définitivement de la liste des voies de circulation de la municipalité de Gibraltar. Article 4, annexe. L'annexe G intitulée « Espace de stationnement défini sur la rue Baudouin » est ajoutée à la liste des annexes. 2. L'annexe H intitulée « Avenue Provençale » retirée de la liste des voies de circulation de la municipalité de Gibraltar est ajoutée à la liste des annexes. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 9.2. Adoption des projets de règlement amendant les règlements applicables par le SQ. 9.2.1. Règlement 2019-RM-SQ-2. Code portable. Attendu que l'avis de motion donné le 15 novembre 2001, attendu le règlement applicable par la SQ concernant le colportage sur le territoire de la municipalité de Gibraltar, en conséquence des proposés par et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le règlement 2019-RM-SQ-2 concernant le colportage applicable par la Sûreté du Québec. Le règlement complet est disponible au bureau municipal pour consultation. Qui propose? OK. Qui propose? OK. Oui, c'est vrai, je l'avais sauté. J'ai pris dans la lecture. 9.2.2, règlement 2. Merci en bon sens. Ça veut dire que vous souffrez. Règlement 2020-RM-SQ-4, animaux. Attendu l'avis de motion donné le 15 novembre 2021. Attendu les règlements applicables par la SQ concernant les animaux sur le territoire de la municipalité de Gibraltar. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le règlement 2020-RM-SQ-4 concernant les animaux et applicables par la Sûreté du Québec. Le règlement complet est disponible au bureau municipal pour consultation.
comprends ça. Adoption du projet de règlement 2021-2227 amendement de schéma d'aménagement révisé entreposant intérieur. Attendu que le conseil municipal de la municipalité de Cibrotot par la résolution 221-04-6877 a demandé à la MRC des appellants d'amender le schéma d'aménagement révisé afin d'autoriser un nouvel usage entreposage intérieur exclusivement sur le lot 4-543-655 localisé en affectation minière. Attendu qu'un avis de motion pour le projet de règlement 206 amendement amendant le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Appalaches a été adopté à la séance du conseil du 15 novembre 2021. Attendu que le projet du règlement 206 adopté par la MRC des Appalaches a pour effet d'autoriser un nouvel usage entreposant intérieur exclusivement sur le lot 4-543-655 localisé en affection minière. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le projet de règlement 221-227 amendant le schéma d'aménagement révisé afin d'autoriser un nouvel usage entreposage intérieur exclusivement sur le lot 4-543-655 localisé en affectation minière et décrété ce qui suit. Je continue le préambule avant la proposition. Oui. Article 1, préambule. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, modification de l'article 4.3.4, grille des usages autorisés dans les périmètres d'urbanisation. L'article 4.3.3.4 est modifié selon les modalités suivantes. Première modalité, la grille des usages autorisés dans le périmètre d'urbanisation de l'article 4.3.3.4 est modifiée en ajoutant une condition 3 en noir ci-dessus. À la dernière colonne, affectation minière dans la municipalité du canton de la catégorie d'usage, commerce et services. Catégorie d'usage, habitation, commerce et services. Affectation minière dans la municipalité du canton, non. Voie condition, non. Industrie, c'est voie condition 2, oui. Exploitation agricole, oui. Exploitation minière, oui. Service d'utilisation publique, selon la terminologie, oui. Identifié au moins 4 points. Équipement ou service, non. Communautaire, selon la terminologie, identifié au point 4.1. Carrière et gravière, non. Deuxième modalité. Après le texte de la condition 2, la nouvelle condition 3 suivante est ajoutée. Condition 3. Spécifiquement pour le lot 4-543-655, localité dans la municipalité de Bretagne, l'usage entreposant intérieur est autorisé. Je propose. Le 10 incendie, on avait dit qu'on reportait. On reporte 10. Hein. On n'a pas oublié l'incendie, mais on va revenir plus tard. 11, période de questions. Pour la période de questions, il y en a qui ont demandé de se lever, de donner votre nom. Ce n'est pas tout le monde qui connaît tout le monde. Ça fait que nous autres, la plupart des plus âgés, on connaît pas mal tout le monde. Mais pour permettre aux nouveaux aussi, peut-être, vous levez, vous dites votre nom et vous posez votre question. Vous pouvez y aller. Non,
Ouais, parce que présentement, là, disons que pour être tout franc avec vous autres, je ne suis pas au courant du tout de ce problème de ce dossier-là. Ça fait la décision de ça se trouve que le terrain, ça. OK. Ah, vous, il y avait le verre de la caserne, OK. C'est bon, Alain? Oui, Denis? OK. La première question que je vais te poser, Denis, moi, tu avais envoyé, c'est parce que tu te rappelles d'être dossier, as-tu envoyé une facture ici à la municipalité? As-tu une date précise, tu as envoyé une facture ici? OK. Mais, c'est pas ça que je veux savoir. Toi, avec Chayal, en procès, par petite créance, as-tu envoyé une facture à la municipalité? Peux-tu me dire dans quelle date ça y est? Oui. OK. Puis après avoir présenté la facture, ça fait quoi? Ben, personnellement, moi, je ne peux pas te donner le chiffre. Ça fait 3 semaines que je suis ici, mais je n'en ai pas de chiffre. Je ne sais pas si Manon peut nous dire le chiffre, mais là, moi, je ne peux pas répondre à ça. Oui, moi, je à moins que Manon soit de mais je reviens à ça, là. Ça a été en cours, là, parce qu'à un moment donné, la municipalité refusait d'être payée. L'autre chose, c'est certain qu'à un moment donné, si on finit ta facture, il doit y avoir de quoi dans le procès verbal, c'est qu'il a été écrit à quelque part, de quoi la municipalité refusait. Là, moi, je demande à la table, on va faire lever le procès verbal dans ce 2018, c'est en 2018. Vous m'avez demandé qu'on ait un procès verbal parce que même de donner des réponses, si je suis bien d'accord. Moi, personnellement, non. Je suis d'accord.
Ben, personnellement, moi, je tiens à le savoir aussi. La sous-facture de 310 pièces qui nous coûte 20 000, là, c'est pas logique, trop tôt. Hein. OK. Ben oui, le compte d'avocat, puis surtout, moi, je veux savoir aussi si c'est toute la table qui a refusé. Parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne une décision avant de dire qu'on y a avec un avocat. Donc, moi, je veux avoir le procès verbal de ces dates-là, pour savoir ce qui a été répondu. Il doit avoir répondu sûrement. Non. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est normal, les contribuables payent. Hein. C'est l'autre qui paye. Je prends note. Je ne peux pas vous dire qu'on n'a pas d'autres assemblées régulières avant les fêtes, là, parce qu'on a le budget à préparer, puis on a des rendez-vous avec les firmes comptables. Mais ça va venir, on prend note. J'ai toutes les notes personnelles que je prends. À chaque fois qu'il va y avoir de cas, de quelqu'un de question, vous allez avoir des suivis, vous allez faire ça de ça. Là, on va garder pour que tu sois payé. Parce qu'à un moment donné, je suis pas dérangé. Puis à un moment donné, des intérêts, on est assez payé. Là. Ouais. OK. On l'a voir. Oui. Au sujet des honoraires professionnels, services juridiques, 275 000. Alors, moi, j'ai une lettre à la municipalité ici. Ça vient des avocats d'Anton-Morinville. Le coût, 314 000. Alors, le montant de 275 000, ça m'inquiète. J'aimerais ça avoir des réponses. On a posé la CIMO pour ça des réponses. Puis on a supposé avoir des réponses aujourd'hui de Mme Lachon. Alors, on aimerait ça, je peux être ici juste pour poser des questions, pas des réponses. Quand on se déplace. On est en démocratie, c'est tout bien ici. Il faut juste avoir des réponses. Alors, je veux des réponses le mois prochain. C'est certain que c'est pour moi que je peux répondre. Mais je veux des réponses. Je prétends que quelqu'un qui veut nous conseiller, ça va être Manon, parce que c'est pas moi qui travaille. Et Manon, on va-tu avoir des réponses au mois prochain? On va-tu arriver ici pour conseiller des réponses? Premièrement, ce n'est pas à moi. C'est vraiment un bon conseil municipal. C'est pour moi que je vais vous dire. Deuxièmement, je vais vous dire que vous avez des problèmes de Ça va être quoi? C'est comme un centre d'entraide.
des gens qui peuvent se rencontrer, nous apporter des choses, des ressources. Qui sont sur le site Facebook et avoir dans le alors, 5 degrés, tu vois, c'est quoi sur TL 49? À gauche de moi? 5.349. 5 degrés, tu vois, TL 49. On n'a pas eu de... C'est par rapport aux choses de spot, là, ça. C'est fait que... C'est vraiment par rapport au code d'éthique. C'est quoi, ça? Vous savez, c'est Sandy, les questions là-dessus. Les pèses de décarcération, est-ce que c'est fourni, sorti de... Il y a un feu dans une maison, les pèses de décarcération. Alors, tout est sorti des incendies. C'est ça qu'on paye sur notre compte de texte ou c'est un montant fixe par année? Bien, l'incendie, d'après moi, c'est le compte de texte, c'est un montant fixe, mon père. Je sais pas. Oui, bien, c'est bien marqué ton compte de texte, me semble, si je me trompe. Oui, pas. Mais s'il sort 20 fois et il sort 60 fois, c'est le même prix? Oui, c'est dans le budget, ça. Les autres, certains, mais comment dire ça, administration dans la BG interne dans d'autres situations. Parce qu'ils présentent tout de même un budget à la table chaque année là, de prévision aux autres. Parce que tout va se faire dans l'ordre du budget là, qu'on va établir. La clôture, c'est le terrain de jeu, parce que vous n'avez pas à dire ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir cette année pour les jeunes, David? Qu'est-ce qu'il va y avoir pour les jeunes? Il va y avoir une bâtisse pour que les jeunes soient capables de se réchauffer? Et pas utilisable. Parce qu'il était censé de la démolir, c'est encore là. On peut-tu revenir le mois prochain avec ça? Avoir des réponses? Ça, les questions sont toutes notées pour avoir des réponses sur le mois prochain. Merci. Ensuite, je me note. Les salaires, là, de vendre 55 000, ça comprend quel salaire? Les salaires des employés, de la direction, des élus municipaux? Ça, je vais avoir, j'ai demandé justement une feuille au complet, j'ai demandé au caucus. Je vais avoir la liste de tous les employés à partir de la DG en descendant jusqu'au rembourser de village, si tu veux. Avec deux heures de fonction, deux heures de travail et le salaire. Je vais commencer par les droits pour moi. Puis oui, les réponses seront. Parce que j'en ai parlé, moi aussi, de ça. Ouais. Je n'ai parlé moi aussi, mais là, je prends compte du document. Ça fait que aussitôt j'arrive des documents. Mais ça peut être avoir des documents, la direction. Disons que présentement, là, c'est pas pour expliquer personne, on a beaucoup de choses, parce qu'on a juste que circuler les samedis et dimanche pour être capable de préparer le budget. Donc, on a beaucoup de... mais ça a été demandé à Manon. C'est normal, ça soit long? Il y a des choses, oui, il y a des choses, non, je suis pas d'accord. Mais seulement que ça va être aidé dans le futur. Il y a bien des affaires qui vont être arrêtées, parce que tu peux te donner juste des états financiers, là, 10-11 mois après, ça, c'est... Acceptez-moi ça. La firme contact qui était en place, là, est-ce qu'elle était parente avec quelqu'un de son sexe? C'est ce qu'ils m'ont dit. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Je n'ai pas de preuve. Bien, aujourd'hui, c'est rendu, là, avant, il y avait conflit d'intérêts, mais apparemment, je n'ai pas le code municipal en main, mais apparemment que même, on a, comme si on parle André, c'est mon beau-frère, mais c'est, on peut faire ces gestes de même. Il n'y a pas de conflit. Même s'il y a des conflits. Ben, apparemment. Tu parles d'un contact avec un employé. Ben, disons que c'est moins bien vu, là. Mais de toute façon, ça va être réglé, ça aussi. Ça va être réglé.
Mais c'est quoi un débitmètre? Ça, ça va servir à quoi? Ça, c'est pour mesurer, hein, André. Il est assez facile. C'est nécessaire. C'est obligatoire. Et donc, on n'a pas le choix, c'est ce que vous avez dit. J'ai une dernière question, sujet directement municipal pour les autos dans les deux. Ça, c'est une question. La question est, est-ce que les gens peuvent se parquer dans la 7e rue sans être remorqués? C'est seulement la nuit? De quelle heure à quelle heure? Tu n'as pas d'interdiction de nous marquer? Non. Ouais, c'est marqué, il y a des pancartes municipales, il ne faut pas qu'ils se perdent les rues du mois de novembre. Non, mais je parle d'hiver. Là. Et la réception du dossier, je n'ai pas sûr, c'est quoi par rapport à la municipalité? Ça, ça va s'engendrer des frais, la municipalité? Les contribuables? Quels frais ça en. J'ai compris pourquoi elle était potable, mais si tu veux faire, elle n'est jamais visitée là. Ouais, mais là. Gracias.
Parce que nous autres, notre mission là, pour le prochain 4 ans, moi, c'est ça que je me suis donné. J'aimerais remettre une municipalité potable pour les jeunes générations soient fiers de prendre la relève ici au conseil. Mais présentement, là, si on peut laisser ça les jeunes, parce que premièrement, ils ne se comprendront plus non plus. Il faut enlever les jeunes, ça fait récent. Avant du monde, et tu les aides à penser, et là, ils vont suivre à l'endroit. J'en étais du bénévolat, moi, j'en ai, je travaillais chez un chef, puis je faisais du bénévolat de soir, puis je promets tout le monde, un de là, puis l'autre, un autre après, pour chercher des gars, pour chercher des gars de quoi. On a tout fait ça. J'avais besoin d'une ville, j'allais trouver un révocation. Ils montaient le compresseur, puis j'avais tout. C'est même ça aujourd'hui. On a plus rien de ça comme ça. On a fait des fêtes de Saint-Jean, combien d'années? 25 ans. Hein? Il a bossé cet interne, ça y est. Et on a eu une parade, là. Depuis je ne sais pas combien. Quand 10 ans, il y a eu une petite parade cette année. Elle était bien belle. Puis je... J'ai été apprécié aussi, oui. Mais il va te donner un rêve. Comment ça, on n'a pas d'autre? C'est bien. Mais ça, je l'ai compris, Suzanne. Mais il reste que quand tu vas donner le cœur, que tu t'impliques, tu peux avoir un heure d'une personne. Mais l'heure que tu as donnée est bien plus rentable que mon ami le que toi de certaines personnes. Mais Rédal, c'est un peu obstacle. On a été 25 ans à faire la 56. Hein? Mais on ne rend rien de pas. On y était à 13 années. On connaît 13 années. Mais c'est parce que c'était. Ça nous a plaisir de le faire aussi. Parce qu'on n'est pas rémunéré pour ça. Il reste que 100 livres aussi grands. Ouais. Il reste qu'il y a des choses qui peuvent se faire déjà. Quand on fait ça, ben moi je me dis, là, tu vas avoir la pluie du monde et tu vas avoir du monde qui va te suivre. Mais pas, moi je ne vois pas là, quand quelque chose comme un bâtisse, ah, infini, on a le bâti. Mais c'est d'accord. C'est d'accord, je suis certain, toute la terre est d'accord avec ça. On veut bosser, on veut construire. Parce que si les projets à l'intermunicipal de la Carré, c'est des projets potables pour 2023-2024. On est loin d'être prêt à recueillir du monde. Hein? Parce que même si on n'a pas de retombées économiques par rapport aux taxes, si ça engage 100 personnes, ils vont rester à quelque part, les 100 personnes. Il faudrait être prêt pour les accueillir, au moins assez d'en tirer pour les construire ici à l'Espérotone. Parce que, puis même, je n'ai pas continué tantôt, il y a d'autres choses qui vont être belles. Dans la région intermunicipale, on a 6 municipalités. Il va y avoir de quoi de plus tard qui va être offert à toutes les 6 municipalités. Mais ça sera une chose qui va être expliquée à tout le monde qui sera décidée avec le public. Parce que c'est quoi de gros? À ce moment-là, on pourrait peut-être avoir des retombées. Mais ça, en temps et lieu, ça sera expliqué. On va laisser. Moi, c'est la chose qui m'a intéressé. J'ai demandé à la régie. Garantie de quoi? Une garantie de 60 ans minimum. Ça fait que c'est toujours un beau départ. Fait qu'à ce moment-là, si on a une garantie de 60 ans, il faudrait être prêt, fait de quoi pour sur le bon. Parce que le projet était dit qu'il commençait par les dents et qu'il viendrait craquer sur l'Ice-Bretonne probablement après. Ça fait que m'amener, ça va, c'est quoi qui serait bien intéressant. Merci bien. Mais continuez à venir, à nous dire des idées, puis on travaille avec nous autres, c'est ça qu'on va voir. Mais je connais Marie-France, elle va devenir la même. J'ai 5 questions. Oui. Parce que M. Bergeron a posé, je voudrais savoir son point, est-il réglé? C'est-il réglé en quoi? Il reste à payer. C'est réglé. Deuxième question, le mois passé, on a demandé la liste des camps. Je pense qu'il avait dit que c'était possible, on ne l'a pas eu. Non, c'était la liste. Ils ont dit oui, on voit la liste technique. Elle dit qu'on était supposé l'avoir. Une suggestion, tantôt vous avez parlé de l'allocation des tables et chaises, vous avez adopté de. Oui. Je ne sais pas si ça ne serait pas mauvais de mettre un montant forfaitaire quand quelqu'un sort les tables et les chaises, si jamais ils les brisent. J'en ai parlé au comité de l'organisation. Il dit, on se ramasse un paquet de tours, c'est quoi qu'on se ramasse avec ça? Nos tables sont toutes potables, les chaises aussi.
on vient mon septum m'amener. Hein, moi, c'est ça que j'ai dit avant de passer. Tu fais donner en plus d'éducation un montant fixe. Pareil comme. Elle va donner, c'est ça. Hein, c'est ça, ben ouais. Oui, mais définitivement, pour qu'il vienne déporter, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'arena, ça c'est sûr. Ben, on a une coordinatrice à l'arena, là, c'est coordinatrice qui est payée pour être là, 35 heures par semaine. Puis Marc-André aussi, son bureau, il est là 35 heures par semaine. Ah oui, bien sûr. Tant qu'il y a une location de salle, si je me trompe pas, il y a un montant qui est demandé quand il est loué, qui est donné après. C'est tout ce qui arrive. Les locations de salle, c'est pas mal tout le temps, même qui louent, qui connaissent le client. Ben, mettons comme nous autres, on a une salle que je loue, là. On pourrait la sous-louer. Mais c'est justement qu'on ne veut pas faire, on ne veut pas se louer parce que s'il arrive un problème, on est responsable de notre salle. Parce que nous autres, c'est certain que si nous autres, on la loue la salle, on brise. Ils vont venir nous voir, ça c'est certain. C'est seulement à peu près une autre année, là. Parce que là, vous vous retrouvez avec des dates qui sont là. C'est nos dates, les dates de la municipalité sont bonnes que vous les louez, je n'ai rien contre. Mais si vous vous retrouvez après ça qui sont brisées, ben, c'est certain, à changer la. Si 2 piastres ou 5 piastres, oui, ouais, parce que certaines des tables, 70 piastres la table, des tables de 8 pieds. Ouais. Donc, je ne sais pas si. Mais il n'y a pas un règlement. Il n'y a pas un règlement qui a été passé que vous n'aviez pas le droit de sortir de la voiture. Ouais, mais il y avait la municipalité qui n'avait pas d'en avoir un site. Il n'y avait pas un règlement qui avait été passé que les voyages et les fêtes. Je pense que vous allez avoir un petit problème, du coup, et que quand ils viennent, ils viennent pour les porter. Mais s'il manque une part, ou s'il y en a une de l'équipe, ou s'il y en a une de passé, ils ne vous le disent pas. Et que si ce n'est pas toi qui es de faire en arrière pour les vérifier, on se réveille, on a des belles surprises. Ben, il reste un petit tour, on peut annuler la location sur vous, ça fait quoi. Parce que certains ne m'entendent pas qu'il y ait 50 tables de défaite. Parce que c'est des tables qui ont été achetées par les et comme dit, ouais. C'est qu'on a donné de l'argent pour acheter ces temps-là qu'on ait. Parce qu'avant ça, on avait des temps en cours. Bon, on s'est réveillé à un moment donné, il était plus de fête, et puis il est sorti de l'événement. C'est certain, c'est beau accommoder, mais ça ne veut pas dire qu'on aurait beaucoup de locations de l'an. Pourtant, on a accommodé, mais il reste plus cher que ce que ça va vous apporter. Alors, c'est certain, on fait que ça soit surveillé. Parce que les gens qui ont la ville, il est promené. Ensuite, je reviens tantôt, M. Darin a dit, quand quelque chose va être envoyé, peut-être envoyé au conseiller, en même temps, copie conforme, directrice générale, tout ça, est-ce qu'on a l'adresse courriel ou on envoie ça? Elle est libérée. Il vient juste à préparer pour que le calendrier soit imprimé, soit envoyé au public. Parfait, c'est bon. J'aimerais que je sois vérifiée pour la prochaine séance de conseil. Maintenant, la loi exigeait que lorsqu'il y a un avis de motion de données, le projet de règlement doit être déposé en même temps. Et ce soir, le projet de règlement, lorsqu'on parle de taxation, a été déposé. L'amendement du Code d'éthique a été déposé. Donc, ça serait bon que ça soit déposé en même temps. Justement, le règlement de taxation, on aurait dû être capable de savoir, puis je trouvais ça bizarre que vous déposiez déjà un règlement de taxation sans avoir parlé de vous être réunis pour vos prévisions budgétaires. Donc, ça devait se faire tout en même temps, le même soir. Donc, je pense que vous ne vous êtes pas réunis pour les prévisions budgétaires. Non, c'est pas vraiment. C'est tout à fait normal parce que vous venez d'arriver. Puis, probablement, ça n'ira pas avant les fêtes. Ouais, c'est tout à fait normal, mais lorsque c'est le règlement d'éthique. Donc, en même temps que ça se déposait, l'avis de motion, le projet de règlement se déposait. Ça veut dire que
Avant ça, c'était exactement ce que vous avez fait là, mais maintenant, le projet de règlement est obligatoire. Oui. Nous autres, comme j'avais dit tantôt, là, on fait deux jours, samedi, ben, dimanche, c'est le budget. Oui, je comprenais que ça pouvait pas être. D'abord, on a juste au 31 janvier pour voir les trucs. Oui. Ça fait qu'à ce moment-là, deux jours après les fêtes, on fait tout ce qu'on veut le plus vite possible, mais là, c'est pas évident. On veut qu'on fasse ça. Allez, donc, nous, on va revenir avec les rêves, les tâches. Ça même là, en gros, ma fille, elle a justement, elle a envoyé les miennes. Et là, puis elle avait fait en activité, le peinture, et quand je suis allé coucher les tables étaient en bonne condition, il n'était pas bien. Ma fille, elle a eu beaucoup de peinture dessus. C'est ma fille. Et là, elle les a gardées, et ils ont été gros pour les payer. Une anecdote, c'est ça que je vais vous donner. C'est 160$ de la libre de tour. Après, quelqu'un qui vérifie, c'est comme une location. Une location, comme ça, la possibilité de partir, tu l'as mis. C'est certain que si. C'est certain que si vous, dans la musicale, des crêtes, on ne peut pas l'autre. Non. Quand on vous dit en plus, c'est une erreur. Non, non, c'est ça. Tel qu'on fait qu'il y a une heure de travail, ça c'est sûr. À ce moment-là, ben, c'est certain qu'ils peuvent les avoir deux, trois roues, si vous voulez les chercher. Oui, je suis pas là, je vais mon idée. Je vais venir avec André, on peut prendre de ça. La bâtisse en bas, là, il y a des vents de parc en arrière, la bâtisse, ça, qui se posait d'être un beau thème du sujet. Ça ne bouge pas bien, ça. Je prends la question. Il y a deux bâtisses en bas, l'autre, c'est dans le projet. Mais madame, il y a des bâtisses. Quatre locales. Comment dire ça? Certains la porte de déchargement. C'est parce que l'ancienne dame a décidé de la fermer sur la tour, donc aucune juridiction. Non, mais pourquoi vous savez? Ben, il y avait un investissement de, apparemment de 20 000 $. Ça
Ils ont décidé de la fermer plutôt la réparer. Il avait commencé parce qu'il avait l'administration pour enlever de la sorte et de la terre, on pouvait même travailler là. Oui, parce que ça a été. Les orteils, eux autres, ben, ça fait un petit montant de taxes de plus, mais c'est pas pour le montant de taxes. Monsieur Barry nous a envoyé par la poste la location de l'odeur 45 000. C'est-tu correct, ça? On peut dire des détails là-dessus? C'est quoi? C'est, ça a duré combien de temps, cette odeur-là, 45 000? C'est, ben, c'était, c'est combien? C'est l'odeur qui a autorisé, hein? Quelque chose de même. L'odeur ou la pépine? Oui, on peut dire que c'est l'odeur, OK. Pas les autres, certains. Non, pas les autres, mais l'ancien conseil. Mais quand tu prends des décisions d'odeur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des connaissances là-dessus qui peut dire oui, c'est vrai, c'est ça qu'on fait, on fait bien, c'est ça? Comment ça? Vous connaissez bien les autres, les employés? Oui. Eux autres, ils en ont. Qui ça, eux autres? Le conseil qui était là. La première des choses, moi, je trouve, une table de conseil, la première responsabilité de la municipalité, c'est les finances. Ils me diront n'importe quoi, là. Moi, chez nous, en tout cas, je suis prêt personnellement. C'est les finances qui rentrent en première ligne de. Parce qu'ils ont été ici, là, 30 ans, là, au conseil, là. Les finances ne seraient pas bien plus garanties. Parce que si j'avais René comme mes finances, comme je vois chez nous, là, ils seraient belles, les finances. C'est qui René, finances, au conseil? Ben, là, c'est c'était celui-là qui était en avant. Les reprises du meuble en vente pour taxes et radiations de compte, 77 000, c'est quoi? Ça comprend quoi, ça? On peut savoir des détails? Oui, mais ça vient de François Marie. Oui, tout le monde nous a envoyé. Oui, écoute, ben, tu m'as dit une affaire. J'ai dit qu'il y a envoyé par Laval, une filière 13, je crois rien ce que tu. Non, mais c'était qui? Oui, mais moi, je l'ai gardé parce que vous m'avez demandé. C'était fait pareil comme le montant 275 000 qui n'a pas été perçu. On va avoir des explications. 275 000, je ne l'ai pas trouvé ici, là, 275 000. Non, mais qui va avoir le rapport en premier? Qui va avoir dans sa possession le rapport en premier? La table. La table, ça comprend qui? Vous pouvez vous conseiller? Nous autres, on est tous mandatés. On a tous chacun nos postes et cette table. Mais il n'y a pas peur qu'il va décider de quoi à la table sans que toute la table soit courante. C'est le même compte. Ça sera pas. Avant, si tu étais au loisir, les deux qui étaient au loisir décidaient, ils faisaient n'importe quoi. C'est pas ça, mais c'est pas le même compte. Parce que, je me l'ai fait dire assez dans la salle, c'est qu'elle était dans la salle. Fait que, à un moment donné, c'était, était là, il avait décidé. Ils vont venir te porter des mains, là. Oui. Non, mais de toute façon, je m'occupe de ça. Parce que les sommes qui sont réputées, les deux films sont réputées pour les affaires financières, Chabot de Trenton et Blanchet de Sainte-Marie. Il n'y a pas d'autre. Toutes les années qu'on était ici, j'ai assisté à ces états financiers à Raymond Chabot. Okay. On avait des réponses, puis tout était à l'ordre. Les états financiers sortaient au Marçon Bleu, on avait la présentation des états financiers. Et là, vous les avez pas depuis quand? Ben, écoute, moi, avec la pandémie, 2019, on n'a pas pris d'essence. 2020, on n'a pas pris d'essence. Okay, ils sont pas de états financiers, la pandémie. Oui, ils sont faits, mais on ne peut pas te donner de détails, on n'en a aucun. C'est pour ça qu'ils dénoncent. On est qui a ces détails-là? Ben, amener la dette, ben, c'était les états. La
c'est quoi les clés? Je viens de vous dire qu'ils vont vous répondre. Ouais. Donc, pourquoi tu n'es pas capable de nous dire? Parce que c'est vraiment la santé. Donc, moi, j'ai vu la santé du conseil à cette temps. Et puis, le PG qui était là, c'est lui qui a déjà dit, mais c'est pas financé. Mon amour, qui avait là. Parce que si on vient ici pour avoir des chiffres, ils nous disent que c'est Manon qui nous les donne. Et là, Manon, elle te les donne pas. Écoutez, là, il ne faut pas non plus jugement à personne. Parce que moi, si j'ai demandé à Firme, c'est pas à faire de leur jeu, OK? Fait que maintenant, je prétends pour avoir leur juste la plus, c'est la firme de comptable. Tout, j'ai déjà une liste de questions à poser. Parce que, faire répondre que vous m'avez déjà répondu, la dernière fois j'étais, moi, au système financier ici, il m'avait dit, si tu n'arrêtes pas de me poser des questions, je m'en vais. Mais si arrêté à table, arrêtez, prends la réponse. Et ceux qui étaient dans la salle peuvent le dire, je m'étais fait répondre ça. Arrête de poser des questions, je m'en vais. Il avait accordé Kevin. On a dit, mais s'il faut dire ça, on m'en va. Et que c'est pas mal ça. Mais je t'avais dit, les deux films, avec quelque chose de Blanchette de Sainte-Marie, il n'en prend plus. Il est complet. Et les Chabot de Trenton, il en prend encore. Ouais. Attends, c'est Ariel. Ariel, c'est parce qu'il y a aussi, hein, si on parle, on va dire, partons de 2005, quand la firme faisait pas, on s'arrêtait. Fait que sûrement qu'on, ça se réglait à temps, je peux le dire. Parce que s'il y avait mené Trenton, ils ont mis des ordres. Pourquoi ils ont mis des ordres? Ben, à cause des prix, c'est pas plus important. C'est à cause, on avait leur juste, vraiment, Trenton, je peux le dire. Fait que là, aujourd'hui, c'est ça. On a changé deux, trois fois de firme, certains. Un, ça ne faisait pas l'affaire d'un maire, on change le film. L'autre maire, ça faisait, on recange encore. Fait qu'à un moment donné, on a toutes des. Avez-vous la solution dans ce temps-là? Oui, bien, on demande une chose d'appel, mais on n'est pas obligé d'être accepté la plus basse comme la plus haute. C'est certain, on le sort d'un côté, parce que, prenez celle-là, la dernière qu'il y a eu, c'est. On veut vérifier ce qu'il y en est. En plus d'avoir une firme plus ou moins adéquate à mon goût, pour peser mes mots, en plus qui nous coûtait cher, on a vu les états financiers, comment ça coûtait, c'est d'achat gagnant. En plus, la table a décidé de donner 5000 pièces pour venir faire l'ouvrage ici, s'il y avait besoin. Ça a été pensé, on était dans ça. C'est l'argent des contribuables. Oui, 5000 pièces qui a été accordé, s'il y avait besoin du comptable, qui venait travailler ici. C'est un peu ce que j'ai parlé aux élus. Il dit, avec 3 millions d'évaluations, il faudra pas avoir 3 millions de salaires. Dans la cause, on était en rappel combien de fois? Était-ce nécessaire d'aller en rappel aussi souvent? Ben là, là-dessus, Clément André serait plus placé que peu pour répondre. Parce que moi, là. Maman, si au lieu de 2 millions, on pourrait mettre 5 millions. Est-ce qu'il y a eu de l'entêtement là-dedans? Écoute, ben, quand tu retournes en appel contre un juge, la décision du juge, j'ai trouvé ça qui arrivait. Mais j'étais pas à table. Moi, j'avais pas retourné à l'appel contre la décision d'un juge. J'ai retourné à l'appel contre la décision d'un juge. C'est tout le temps que vous avez fait. Oui. OK, parcours supérieur, des points de juge. Oui. J'ai validé le dossier. Mais ça, vous pouvez-tu le voir? C'est qui le grand responsable de ça? Peux-tu le savoir? Le grand responsable, à un moment donné, ça a été commencé. C'était Kevin qui était à Kevin Mathieu. Mais là, c'est comme il dit, il n'y a pas toutes les données de l'asile. C'est ce qui est fait. Parce qu'en principe, on n'aurait même pas eu besoin de s'occuper de la pétition de cette affaire-là. Ça, c'est ça qu'il avait dit. Ça fait que ça vaut des choses. Il y a une note de quelqu'un? Mais moi, là, je veux savoir comment ça va nous coûter comme contribuable. C'est tout ça.
Mais moi, écoutez, je vais vous répondre à une question que je peux répondre. Je ne sais pas en quelle année l'État financier, la dette totale a été 6 millions. Kevin, Mathieu, je l'ai dit comme du fer, c'est de 3 millions qui est en haut, il était inclus de 6 millions. Il est avec lui. Fait qu'on va le voir, là. On va en avoir des plus. Là, on sort en jugement de la cour pour donner 2,5 millions. En réalité, moi, dans ma tête, il est payé, il est inclus dans la dette de 6 millions. Mais c'est plus ça, là. Mais. Et il y a une affaire, là. Tu as des films, moi, pour vous dire une chose, il y a des films qui ont marché avec les vrais normes et avec les engagements solennels. Il y en a d'autres qui marquent avec la décision des maires. Tu sais, quand tu as besoin d'un comptable, ça regarde vers le maire pour savoir s'il peut parler ou non. Ça ne peut pas ça une firme de comptable. Ça va de 30 tonnes, il ne fera pas ça. Mais il y en a d'autres, on l'a vu faire. Tu sais. Le maire, en blague, je peux-tu parler, je ne peux pas parler. On va-t-il savoir la répercussion sur le compte de taxe? Moi, je ne m'avancerai pas sur rien. Moi, c'est certain, pas question de moi. Moi, personnellement, il n'est pas question. On est rendu saturé. Écoute, c'est 44,5. On est rendu au bout. Ouais, ils vont augmenter le règne. On a le dépôt du nouveau rond. Oui, mais le dépôt du nouveau rond, toujours aux ans. Il va augmenter comment? Il va augmenter. On procédait. Ben, nous autres, on remontait l'évaluation quand on en faisait pour baisser les taxations. Mais c'est aux 3 ans, ça qui vient, les choses. Ouais, mais c'est pas juste pour les nouvelles les réparations, non? Avec les ventes des maisons qui sont faites, ben, c'est certain qu'à ce niveau-là, on ne peut pas rien faire, c'est pas une bonne question. Parce qu'il y a plusieurs qui ont demandé, allez-vous baisser les taxes? Baisser, c'est... OK, Lynn, tu avais l'air d'autre chose. Oui, oui. Oh boy! Un lac sec! OK, si on fait des écoutez, là, si on voulait qu'on l'eau, là, on n'a pas plusieurs années. Mais au départ, écoutez, c'est encore l'affaire de la table qui était là. Il y a des choses qui ont été faites qui n'avaient pas de débit. Prenez le réservoir qui était là chez nous, là. Ça a été dit. Il y avait, je ne sais pas, des chiffres, là, et pas de clés chiffres en tête. Il y avait, mettons, 700 débits, ça en prenait 1200. Oui, mais c'est un peu dur, ça n'a pas ça. Oui, mais écoute, c'est, la dame a décidé de l'accepter pareil. Oui. Non, non, non. Écoutez, donc, on ne peut pas, en tant que. On ne l'a pas tout à fait. Ça donnerait écoute de commencer. Il faut être logique. Hein, ça donnerait écoute. Quand on va dans un miroir de corps, on va avoir une grosse. Attendez-le, Mme Coutier. Avant que. Si on a d'autres questions.
Attendez un peu, j'ai d'autres choses à dire. Attendez. C'est parce que, je ne sais pas si moi d'autres assemblées publiques, là, que je voulais en profiter au nom de Jean-Benoît et des élus, vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année et de la santé. Puis, parce que ça ne les empêche pas de se revoir pour deux, s'il y a d'autres assemblées avant les fêtes. Mais si on ne se revoit pas, bien, comme c'est de très belles fêtes. La prochaine réunion, pourquoi il n'y avait pas lieu à l'école? Non, c'est pas, il faut tout déménager. Les tables, les chaises, il faut tout déménager. Puis il faut payer. Il faut payer? Il faut payer. Oui. Oui. On a pas été filmé ce soir. Oui, oui. Il faut demander son expert. Je ne suis pas expert. Hein. Oui, écoutez donc. Écoutez donc un peu. N'oubliez pas la prochaine assemblée le 17 janvier. Dernière intervention. Que vous allez en avoir qui sont pas vaccinés.
De toutes les heures qu'il va de glace, il va quelqu'un à la porte pour vérifier son passeport. Pas toutes les heures, non? Non? Ouais. Mais c'est du patinage libre, jockey libre, n'importe quoi. On fait avoir des fonds ouverts. Et le gars, il se manque trois gars pour jouer au hockey. Non. Il faut l'été, là, les hockey boules, ou un autre sport, puis l'aréna ne pourrait pas être. Il y a des comités, il y a des assemblées avec la planification, des gestions, des gens qui pourront arrêter. Non, à ce moment-là, tu peux être payé, les On ne peut pas faire dans trois semaines le contenu, on peut faire dans quatre ans. Mais il y a une chose que je peux vous dire avant de terminer. Donc, merci, votre présence sera toujours appréciée. Puis j'espère que vous allez continuer à apporter de l'intérêt à la table de conseil. Puis on ne ferait pas vous décevoir. Je peux vous dire ça. Et ça a été noté. Là. Je ne sais pas si vous avez vu tout le monde écrire. Ça fait que si toute la gang. Là... Non, je suis d'accord. Ah, c'est pourquoi il passe pour se présenter ici. Ouais. On n'avancera pas sur d'autres choses. Mais c'est parce qu'on a été longtemps sans conseil. C'est pour ça qu'on vient sur des vieilles affaires. On n'était pas là pour en parler. Les affaires de l'endroit et les affaires de l'autre. En tout cas, je vous remercie. La fin de soirée, qui pour vous enlever de l'Assemblée? Merci à tout le monde.